La jeune et belle pakistanaise Misha Shadi a deux passions, partir en tournée avec le groupe de musique de son mari et défiler comme mannequin quand l'occasion se présente. On a voyagé, on a fait des concerts ici et là. Mais comme mannequin, je ne suis pas partie à l'étranger pour faire des défilés pour d'autres designers. La semaine de la mode du Pakistan, qui se déroule en ce moment à Lahore, l'a fait travailler du matin au soir. À la différence de certaines villes du nord comme Peshawar, à Lahore, comme à Karachi, la capitale financière, les femmes peuvent s'habiller comme elles l'entendent. Mais Misha Shadi affirme avoir tout de même reçu des menaces par téléphone. Nous sommes très unis. Nous nous entraidons. On ne laisse pas grand-chose nous décourager. Le Pakistan est le quatrième producteur au monde de coton et fabrique nombre de tissus qu'il exporte dans le monde entier. Pendant cette semaine de la mode, les designers espèrent attirer l'attention du monde sur leurs créations plutôt que sur les matériaux bruts. On veut simplement montrer au monde que nous savons aussi bien faire certaines choses. Certains d'entre nous sont vraiment doués pour la mode. Une place dans le monde, car au Pakistan, la mode a toujours eu une place importante. Mais à en croire cette critique de mode, il y a une dizaine d'années, les défilés étaient quasiment clandestins. Vous savez, quand nous allions à un défilé de mode, il fallait dire que c'était un événement culturel. 8 défilés par jour, 32 au total, et des centaines de tenues plus belles les unes que les autres.